Hey, salut à tous, c'est Tous Food Époque. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super parce que ce que je vais vous présenter dans cette réception spéciale, c'est juste du jamais vu. Enfin, personnellement, je n'en ai jamais vu. Après, peut-être que vous allez me dire, mais oui, moi j'en ai déjà vu, j'en ai même déjà. Moi, j'avais jamais vu. J'avais jamais vu même en photo. Et donc, je suis très content. Donc, je vais vous le montrer. Hein. J'ai pas, de toute façon, vous n'êtes pas bête. Vous avez regardé la miniature. Ah, c'est assez lourd. Et ça pèse bien un kilo, hein, peut-être plus. C'est un display deck. Je vais dézoomer un petit coup. Donc, un display deck Légendes oubliées. Si je redézoome, est-ce qu'on voit le trépied? Non, c'est bon, bah nickel. Légendes oubliées, voilà, un display deck. Alors, qu'est-ce qu'un display deck? C'est un display de 8 decks. Vous voyez? On voit les decks là. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, bah écoutez, si vous avez déjà vu ça, tant mieux pour vous. Moi, j'avais jamais vu. Donc c'est l'objet que je vous parlais, que j'ai reçu, que j'ai eu grâce à Jérémy. Donc Jérémy qui est venu de Caen spécialement pour me l'apporter, hein, 1 h 30 de route hein, quand même, il voulait pas que ça s'abîme plus qu'il était déjà. Il est un peu abîmé, mais c'est pas beaucoup. J'ai payé ça très cher, très 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 cher. Mais je le voulais absolument, absolument, absolument. Ouais, j'abuse sur les mots, mais je le voulais vraiment, vraiment pour ma collection. J'avais jamais vu un display deck ex. J'avais des display decks Wizard, j'en ai déjà eu. D'ailleurs, je les ai déjà tous eu. Le set de base, le Jungle, le Rocket. Non, ouais, j'ai eu le set de base, le Jungle, le Rocket. Mais j'ai pas eu Aquapolis, Expedition et les Néo. Ouais, donc j'ai pas tout eu, mais j'en ai eu quand même pas mal. Mais Ex, j'avais jamais eu. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous le montrer mieux. Donc, Ex et Légende, j'oublie, oublié, avec Celebi devant. Magnifique. Petit coucou à Lucida. Jirachi sur ce côté. Le derrière, voilà. Donc c'est écrit de travers. Je me suis demandé est-ce que c'est mal imprimé ou est-ce que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès, parce que sinon ce serait un peu bizarre. Donc si vous voulez le lire, ce qui est écrit, bah écoutez, allez-y. Je mettrai une petite pause et vous lirez. Sur ce côté, on retrouve encore Celebi. Et sur le dessus, parce qu'en fait c'est un gros carré, on retrouve le Jirachi. Voilà. En plus, je suis content parce que les petits logos Pokémon, ils sont pas abîmés, ils sont toujours là. Donc Jérémy, bah lui, il a eu ça pour une bouchée de pain. Hein. De toute façon, il le dit, donc je peux le dire. Il a eu ça pour 50$, je crois. Donc 40€, quoi. voilà, ça me fait rire parce que moi, j'ai payé ça 10 fois plus cher, à peu près. Mais bon, bah c'est comme ça. Alors, il y a des petits défauts. Il y a des petits défauts. Là, le rond, c'est normal. C'est fait exprès. Par contre, là, il est ouvert. Juste, ah, vous n'allez pas voir. Là, il est ouvert. Vous voyez, je peux passer mon doigt à l'intérieur. Voilà. Il y a un tout petit peu décelé ici. Moi, franchement, quand je l'ai vu, j'étais un peu déçu, mais pas plus que ça. C'est tellement rare que voilà. Et pareil, ici, il est un petit peu. Ouais, on voit le trou là. Un petit peu. Il est un petit peu ouvert. Pour moi, ça reste du scellé. C'est même sûr à 100%. Ça, pour moi, ça, c'est du scellé. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Après, là, un petit peu abîmé, mais bon, ça date de quel âge? D'ailleurs, je vais vous le dire d'ailleurs. Hop. Si c'est écrit. Non, c'est pas écrit, c'est écrit que sur les boosters, peut-être derrière. Ah si, voilà, c'est écrit ici. Ça vient faire la macro. Moi, je le vois, c'est plus juste pour vous le prouver. Voilà. 2005. Donc, grosso modo, ça a 10 ans. Voilà, à quelques jours près, peut-être. Ça a 10 ans. Donc, 10 ans, on retrouve ça scellé, c'est énorme. À savoir que les decks à l'intérieur, j'ai déjà vu ces decks. Je crois que j'avais vu celui-là. Donc, le Jirachi, donc le faiseur de souhaits. Par contre, le Celebi, je l'avais jamais vu. Oh si peut-être, oh je sais plus. Enfin bref, ces decks-là, j'ai peut-être vu un de chaque. Et c'était parti pour dans genre 60 ou 80€. Donc c'est une pièce vraiment qui cote énormément. Je l'ai payé le prix de la cote, je pense. Donc c'est malheureux, mais bon, là il fallait mettre le prix. Pour trouver ça, je sais que je ne le retrouverai pas. Après, ce qui m'a dérangé, c'est que Jérémy m'a dit le prix en fait qu'il l'avait eu, donc 40€ environ. Ça fait mal. Ça fait mal, surtout qu'il l'a eu sur eBay. Donc ça fait encore plus mal. Bon. Voilà, j'espère que ce display deck, bah, il vous a plu. Je vais vous remontrer le dessus. Je vais vous mettre comme ça si vous voulez. J'espère qu'il vous a plu. La prochaine réception spéciale, ça sera ce que Jérémy m'a également vendu. Ça sera des boosters du bloc X en quantité, deux séries assez rares, même très rares. Je vous en dis pas plus. On se voit la semaine prochaine et je vous montre ça. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien voir vos avis là-dessus. Si ça, vous trouvez que c'est énorme, si c'est bof ou quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est juste énormissime. Et nous, on se retrouve, bah, écoutez, la semaine prochaine pour la suite de cet achat fait avec Jérémy. Et demain pour une prochaine vidéo. Allez!
Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde. Salut, salut.